bienvenue à Motus, à votre jeu de mots quotidien sur France 2. Pour jouer ce matin, nous accueillons Daniel et Hélène. Bonjour Daniel, bonjour Hélène. Et nous accueillons également Nicole et Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Nicole. Maître absolu de ces lieux, il apprécie qu'allégeance lui soit faite. Voici le dire Thierry Beccaro. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver, évidemment, comme tous les jours. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous, ça va. Hein, prêt à jouer, prêt à faire connaissance avec quatre nouvelles candidates. Je voulais encore saluer Janine et Annie, car on m'a tensé, on m'a Perpignan à côté de Biriatou. Enfin bon, j'ai commis cette petite boulette, je le regrette. Voilà, je suis désolé, pardonnez-moi, il faut que je révise ma géographie. En tout cas, j'embrasse très très fort Annie et Janine qui sont retournées du côté de Biriatou, qui sont deux petites grand-mères fort sympathiques. N'est-ce pas, Guy ? Ah, magnifique. Hein ? Bon, Annie n'avait pas un gros moral, mais enfin bon, alors, si on insiste, elle reviendra. Mais elle reviendra. Problème. Bon, nous allons faire connaissance avec Daniel. Daniel et Hélène. Et c'est Daniel qui va mélanger, pas tout de suite, qui va choisir le nombre de lettres avec lequel vous jouerez aujourd'hui. Un petit 9 lettres, ça vous dirait ? 6 ? Je ne sais même pas ce qu'on préfère. Bah alors allez-y, comme ça au moins. Je prends des sous. Voilà. Ça va Daniel ? Ça va. Vous avez déjà joué avec nous ? Non. C'est la toute première fois ? C'est la première fois. Alors aujourd'hui... Ah bah oui. Six lettres. Ça va, 6. Moi, je trouve ça pas. C'est pour moi, c'est pas aussi simple que ça, 6. Non, c'est pas simple, justement. Donc c'est. Bon, écoutez, on. Bah non, maintenant c'est fait, quoi. Bah oui, ça c'est malheureusement. Hein, vous imaginez au loto pour sauver celle que ça arrange. Ouais. Moi, j'ai pris le 44. C'est possible de refaire le mélange. De retouiller un petit peu. Hein, allez. D'où venez-vous toutes les deux, Daniel ? Nîmes. Ah, Nîmes. Magnifique. Nîmes. Dans le Gard. Côté de Perpignan. Ça c'est cruel, c'est méchant, c'est... Je m'étais bien rattrapé, j'avais situé Nîmes au bon endroit, dans la bonne région, dans le Gard. C'est dans la même région que Perpignan. Merci Daniel, vous êtes adorable. Oui. Méchant, vous êtes méchant en fait. Vous n'avez pas un bon fond. Comme ça depuis le début, hein. Je vous avais prévenu. Ah oui, on est obligé de le garder. Enfin, bon. Qu'est-ce que vous faites à Nîmes, Daniel ? Je suis retraitée de l'éducation nationale, j'étais dans l'administration. Et pour occuper toutes ces journées maintenant. Oh là là, j'imagine plus le temps. Vous êtes... hein. Oui, qu'est-ce que vous faites alors ? Bah, on voyage un petit peu, nous faisons de la généalogie, ce qui nous permet de voyager beaucoup avec mon mari, et voilà. C'est génial. Mon mari ça. À qui je dis un coucou parce qu'il est malade et qu'il n'a pas pu venir et qu'il doit en être fort mari. Bon, eh ben, on va l'embrasser très très fort et lui souhaiter un prompt rétablissement. Jacques. Vous êtes remonté très très loin dans le temps, Daniel ? Mais ça dépend des branches, hein, parce qu'on n'a jamais un succès égal dans toutes les branches. Il y a une branche où j'ai un décès de quelqu'un de 80 ans qui est né en 1530. Waouh, ça c'est génial. Ben, je n'ai que son décès, mais comme il a 80 ans, j'en déduis qu'il est de 1530. Ça va être passionnant quand même quand on se plonge dans la généalogie. C'est comme une enquête un peu. C'est comme, une enquête policière. Une enquête policière. Hein. Vous ne pouvez pas savoir comment on est content quand on trouve quelque chose. Bon, bah c'est génial. En tout cas, c'est une belle, belle activité. Mais je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'adonnent à ce plaisir, à cette activité, la généalogie. Hélène, à nous. Oui. Vous venez d'où, Hélène ? De Nîmes. De Nîmes. Et vous aussi, vous travaillez un peu dans le même domaine ? Non, moi, je suis des cours du CADREF pour me perfectionner, un espagnol, un philo, etc. Eh, c'est pas génial, ça. Ça, c'est formidable. Ah ouais, bravo, bravo, bravo. Ça, c'est... Moi, ça me touche toujours énormément. D'autant plus que je suis débordée, comme tous les retraités. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Et moi, je trouve qu'on continue à vouloir se perfectionner et à apprendre. Bah, c'est super. Voilà. Ça pourrait peut-être donner des idées à certains. Je ne sais pas. Je referme la parenthèse. Ça va, Hélène ? Oui, oui. Oui, vous posiez une question. Elle me demandait de combien de lettres. 6. 6, je le confirme.
Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Bonne chance, Hélène. Merci. Ça va, Nicole? Très bien, ah, Nicole, merci. Vous avez été la première à applaudir Hélène. Ah bah, je trouve que c'est fantastique de reprendre, à apprendre quand on est en retraite. Ah, oui. Moi, je ne le ferai pas. Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que vous faites, vous, Nicole? Et je suis conseillère retraite. Ça... moi, j'aspire qu'à y devenir retraitée. Ça, c'est drôle, ça. Eh oui. Donc, les gens viennent vous voir. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut vous demander? Bah, tout sur la retraite. On calcule les retraites, on prépare les dossiers des assurés, on les reçoit, on les conseille. Non, parce que c'est un moment difficile dans la vie de quelqu'un qui a travaillé. Complètement. Puis ils nous disent, c'est la première fois que je fais ça, bah oui. Eh oui. On ne le fait qu'une fois. Parce que c'est un moment difficile, parce que quand on est en couple, on se retrouve tous les deux à la maison et on a perdu cette habitude de vivre ensemble. Alors il y a un petit... On cherche un peu son espace, hein, sa place, oui. Et puis après il faut trouver d'autres occupations. Et parfois, ce n'est pas aussi simple que pour Hélène et Daniel. C'est bien que vous soyez là, Nicole. Ben, je vous remercie. Voilà. Vous venez d'où? De Nantes, enfin à côté de Nantes. C'est où exactement? À Ligné. J'habite Ligné, je travaille Nantes. D'accord, Nicole. Ça va, Laurence? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, Laurence, dans la vie? La même chose que Nicole. Nous sommes collègues. Vous conseillez je conseille les gens qui approchent, qui abordent la retraite la avec retraite, un peu d'inquiétude? Un petit peu. Hein, souvent. Bah, merci d'être avec nous, Laurence. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Oui, deux enfants, Lucille et Benjamin. Bon. Bah, vous avez pris un petit peu de temps pour venir jouer avec nous? Bien sûr. Eh bah, c'est sympa. Voici les grilles pour commencer la partie. Laurence, Nicole. Voici la grille de Daniel et d'Hélène. Voici le chevalier du Guéclin qui va vous parler du montant de la tirelire. Thierry, ce matin, 800 euros en jeu dans la super partie. Et de plus, nous offrons aux candidates le célèbre Motus ainsi que sa version junior. Bonne chance à toutes. C'est vrai, il y a un petit côté chevaleresque hein, dans votre... C'est les cheveux courts, peut-être. Oui, et puis le petit bouc, je vous vois bien avec une armure. Ben, enfin, on laisserait passer la tête quand même. Hein, oui, mais ça va coûter cher en métal, quand même. Et puis après... Oui, pour se déplacer en ville, pour aller faire les courses et tout ça, dangereux. C'est surtout au moment où on dit « À l'assaut !» À l'assaut, à l'assaut, et oh, oh, et c'est pas le temps d'arriver. À la soupe, je veux bien, mais à l'assaut, non. Laurence, nous cherchons, hein, je le précise, des mots de 6 lettres. Oui. Voici le D pour commencer. Douane, D-O-U-A-N-E. Double, D-O-U-B-L-E. Départ, D-E-P-A-R-T. Détour, D-E-T-O-U-R. Bien joué, Nicole. Voulez-vous prendre un numéro, s'il vous plaît? Le 3. Oh! Je vous ai rien fait, oh! Laurence. On doit être bien accueilli chez vous. Conseiller retraite. Qu'est-ce que je viens de dire? Les gens ne se plaignent pas. Laurence, nous cherchons un mot commençant par la lettre B. Balise, B-A-L-I-S-E. Boule, B-O-U-L-E-S. Banque, B-A-N-Q-E. Barque, B-A-R-Q-E. Balise, B-A-L-I-S-E. Ah. Non. Je vois pas du tout. Bon, alors Daniel, la lettre bonus. Ah oui, non, ça c'est pas... Bague, B-A-G-U-E-S. Oui, non, bah oui, on cherche rien compris. Eh oui, comme je joue dans mon petit coin tout seul. Ah, bah oui, mais restez tout seul dans votre petit coin à jouer. Hein, ah oui, parce que vous vouliez quel mot, vous?
Oh, je vais pas oser le dire, vous allez vous moquer de moi. Ben, je pensais à des baumes, mais le U n'était pas du tout placé là. Il faut regarder la grille. Ce type qui n'a rien compris depuis 15 ans, il présente un jeu dont il n'a pas compris les règles. Ah oui, il y a une limite, hein, d'après moi, c'est 15 ans. C'est vrai? Ah bah oui. Après, il faut... Ben, je vais aller voir Nicole et Laurence. On va parler de ma retraite. Voilà. Pas de problème. Bon, merci, c'est agréable. Merci, Guy. J'aurais une petite pensée pour vous. Vous mélangez, Daniel, s'il vous plaît. Hélène. 26. J'ai trié. Et pourtant, il y en a des numéros. Hein. Une de moins. Une de moins, Hélène, vous avez raison. Laurence, voici un V. Voile, V-O-I-L-E-S. Virage, V-I-R-A-G-E. Viril, V-I-R-I-L-S. Vérité, V-E-R-I-T-E. Ah non, non, elle a bon, là. Ah non, elle a bon. C'est la vérité. Vernis, V-E-R-N-I-S. Je vous en prie, Nicole, servez-vous. 57. Laurence, à vous. Nous continuons avec vous, Nicole, et nous cherchons un mot de 6 lettres commençant par la lettre C. Couche, C-O-U-C-H-E. Chanter, C-H-A-N-T-E. Charme, C-H-A-R-M-E. Calcul, C-A-L-C-U-L. Chimie, C-H-I-M-I-E. C-H-I-O-T-S. C'est de mieux en mieux. Moi, j'irai chez vous pour me faire conseiller. On doit être bien reçu. Ah bah bravo. Bon. Allez, attendez, Daniel, attendez. On va, c'est vous qui allez conclure. Allez, Daniel. Chiot, C-H-I-O-T-S. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Laurence? Malheureuse! Devant la France entière! Ouvre-la bien! Oui. Ah bah dites donc, quand vous allez retourner au boulot, merci! Bon, allez, Daniel, vous mélangez, vous prenez un numéro, s'il vous plaît. 16. Hélène. Ça va. 6. Il faut me le dire parce que d'ici, là, je vous assure que... Là, vous m'en demandez trop, là. Hélène, c'est vous qui allez jouer avec la lettre S. Songe. S-O-N-G-E-S. Serpe. S-E-R-P-E-S. Sorte. S-O-R-T-E-S. Songer, S-O-N-G-E-R. Sorbet, S-O-R-B-E-T. Hélène, nous avons une supplique à vous adresser, Guy et moi. Est-ce que vous voulez bien regarder devant vous, l'écran qui est juste devant vous? Celui-là? Celui-là, oui.
Parce que celui-là, c'est pas le vôtre. C'est celui de Laurence et de Nicole. Vous n'avez pas à piquer l'écran de Laurence et de Nicole. Je vous ai vu. Vous allez copier chez les voisins. Vous mélangez, pardon. Daniel ? Allez-y. Pardon. Hélène, on a encore une supplique à formuler. Voulez-vous, s'il vous plaît, avant de mélanger, prendre ce joli collier qui orne, voilà, et le passer derrière. Voilà, c'est magnifique. Hélène, vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. 32. Vous êtes sûr ? 32, oui. Non, parce que sinon, vous savez, ça... Ling, 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 vous voyez, ça tape sur les micros. Et Nicolas, qui est un homme formidable, mais qui a quand même déjà beaucoup vécu, commence à fatiguer un petit peu au niveau des oreilles. Et il n'en peut plus. Il n'en peut plus, ça fait un bruit pas possible. Et là, c'est mieux déjà. Puis ça vous fait comme deux petites boucles d'oreilles. Non, Hélène, il faut peut-être pas... ne jouez pas avec le feu. Vous aurez peut-être besoin de vos lunettes. Daniel. Aouta, A-O-U-T-A-T. Ancien, A-N-C-I-E-N. Aérien, A-E-R-I-E-N. Acarien, A-C-A-R-I-E-N. N'en faites qu'à votre tête, Hélène. Eh ben oui. Hein, Hélène, je vous demande de regarder devant vous. Vous continuez à regarder chez Laurence et Nicole. Ça ne vous dérange pas. C'est vous la patronne. C'est vous qui commandez. Bon, bah c'est Laurence qui va jouer du coup, tiens. Agence, A-G-E-N-C-E. Allez-y, Laurence, vous mélangez, s'il vous plaît. Nicole. 53. Pas mal, hein? Pas mal, on s'approche. On s'approche doucement. Nicole, nous cherchons un mot commençant par la lettre T. Tuteur. T-U-T-E-U-R. 13, T-R-A-I-R-E. Trouver, T-R-O-U-V-E. Trimer, T-R-I-M-E-R. Trick, T-R-I-Q-E. Ça vous a pas inspiré, visiblement. Non. Daniel, voici la lettre bonus. Triste, T-R-I-S-T-E. Bon, dites-moi toutes les deux, là, au niveau de mon pouvoir de persuasion, là, c'est la Bérézina. Venez à mon secours, Guy, venez à mon secours. Daniel, Hélène, s'il vous plaît, regardez le téléviseur qui est devant vous. Parce que maintenant, même Daniel regarde à côté. Oui, mais il n'est pas bien éclairé. Pardon, voilà, Hélène. Voilà, voilà, Hélène, c'est mieux chez les autres. Il vous plaît pas, celui-là? Je dis que c'est pas assez bien éclairé, c'est pas aussi bien éclairé. Ah bah oui, c'est celui-là qu'il faut regarder. Mais je regarde. Oui, bon. Allez, vous mélangez, Daniel, on s'arrangera après. Allez, on y va. 46. Hélène, il faut mélanger, prendre un numéro, s'il vous plaît. Oh, mais je l'ai vu, la diagonale. Je l'ai vu. 40. Guy. Attention, Thierry, dernier mot. Oh là là, 200 points pour Hélène et Daniel, 150 points pour Nicole et Laurence. Attention, ce mot est capital. Hélène, il vaut 100 points. Et commencera par la lettre P.
Papier. P-A-P-I-E-R. Poudre. P-O-U-D-R-E. Prison. P-R-I-S-O-N. Prier. P-R-I-E-E-S. Je vois pas. Quelque chose. Et voilà. Vous avez laissé passer les 8 secondes, Hélène. Laurence, ce sera plus simple pour vous. Voici le E. Preuve, P-R-E-U-V-E. Et c'est vous qui gagnez la partie. Laurence, Nicole. Eh oui. Bah, elles ont quand même bien travaillé toutes les deux, Daniel et Hélène. Elles échouent vraiment d'un rien. On va les applaudir très fort, toutes les deux. Bravo. Bravo. Vous applaudir et vous récompenser, Hélène, Daniel. Voici des cadeaux pour vous. M, éditeur multimédia, est heureux d'offrir à nos candidates ces deux CD-ROM pour concevoir et aménager la maison et le jardin de vos rêves. Bravo Daniel, bravo Hélène. Bravo, vous avez bien joué. Attendez, il n'y a que le dernier qui vous échappe. Il n'y avait plus rien. Non, non, mais c'est, les mots de silette, c'est pas aussi simple. Et puis le. Là, on venait de trouver les deux œufs, c'était important, les deux œufs. Deux œufs, ça nous fait une. Deux œufs, ça nous fait une belle omelette, comme disait Hélène. Elle a bien raison. Qui voulez-vous embrasser, Hélène? Mes petits-enfants, si vous permettez. Oh, bah, bien sûr. Seulement, il y en a beaucoup, oui. Combien? 7. Ah oui, c'est pas mal, oui. Bon, on va aller vite. On va aller vite. Alors, je commence par l'aîné, Delphine et ses sœurs, Florence et Marianne, Laurent et sa sœur, Anaïs, et mes deux plus jeunes, Mathieu et Romain. Remarquable, magnifique, Hélène. Et vous, Daniel? Moi, je vais saluer ma famille. Moi, j'en ai 9 avec mon mari, parce qu'on est une famille recomposée. Donc, je vais peut-être... Thomas, Benjamin, ah, si, quand même, Laurie, d'accord, okay, Flavie, fâché. Alexandre, Ambre, Lucille et Octave. Et puis, le club Question pour un champion de Nîmes, dont nous faisons partie, et tous ceux qui me reconnaîtront. Bon, et puis, je vous laisse continuer votre travail de généalogiste. Oui, moi, c'est jamais fini. Avec votre mari, Jacques, hein, qu'on embrasse très, très fort. Oui, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Dans un instant, rendez-vous pour la super partie. Il y a 800 euros à gagner. À tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous soit au 01 49 48 0005, soit sur le net sur motus@france2.fr. Pour nos prochaines sélections, nous serons le 25 janvier à Paris, le 26 à Besançon, le 27 à Lausanne et le 28 à Genève. Sélection auxquelles les juniors seront également les bienvenus. Alors dès maintenant, vous composez le 01 49 48 0005. A bientôt et bonne chance. Nicole et Laurence sont avec nous et vont tenter de gagner 800 euros dans la super partie. Vous avez 5 minutes pour bien faire et peut-être trouver le 11e mot qui rapporte 800 euros supplémentaires. On y va? On y va. Bonne chance. Merci. Tourte, T-O-U-R-T-E. Toupie, T-O-U-P-I-E. Triste, T-R-I-S-T-E. Toute, T-O-U-T-E-S. Diffuser. D-I-F-U-S-E, avec un F, un, deux. Drame, D-R-A-M-E-S. Ah non, si. Dague, D-A-G-U-E-S. Défier, D-I-F-I-E-R. D-E-F-I-E-R. Ah. Défait, D-E-F-A-I-T.
Riches, R-I-C-H-E-S. Reche, R-E-C-H-E-S. Roche, R-O-C-H-E-S. Ruche, R-U-C-H-E-S. Fier, F-I-E-R-E-S. Frère, F-R-E-R-E-S. Frémi, F-R-E-M-I-S. Faible, F-A-I-B-L-E. Friche, F-R-I-C-H-E. Minute 20. Pinede, P-I-N-E-D-E. Pingre, P-I-N-G-R-E. Pénard, P-E-N-A-R-D. Poules, P-O-U-L-E-S. Ponton, P-O-N-T-O-N. Bon. 1 minute 35. Visage, V-I-S-A-G-E. Balise, B-A-L-I-S-E. Valeur, V-A-L-E-U-R. Vassal, V-A-2-S-A-L. Cinq mots. Libéré, L-I-B-E-R-E. Limace, L-I-M-A-C-E. Locas, L-O-C-A-C-E. Pas comme ça, c'est écrit. Deux S. Je vois rien. Bon. C'est bien, là, ça fonctionne bien, là, c'est bien. Allez, un mot, là. Il y a, ah, plein, il y a plein de voyelles à utiliser, là. Ah, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Les, non. Facile, hein, c'était fastoche. Oui, 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 oui. Intact, I-N-T-A-C-T. Oh, c'est bien. Vous voyez. Bon, bah c'est fini. Ouais. Lycée, vous auriez pu le trouver quand même. C'est vrai. Oh, non, mais je plaisante. Et le Y, il fallait le placer. Mais c'est vrai qu'il restait encore quelques lettres à tenter. Bon, Laurence, Nicole, nous gardons nos 800 euros. Nous vous gardons également. Nicole, Laurence, vous restez avec nous pour la prochaine émission. Et il y aura la prochaine fois 1600 euros à gagner. D'accord ? Donc on dit conseiller ou conseillère retraite ? Moi, je dis conseiller, mais conseiller retraite. Donc voilà, nos deux conseillers retraite vont rester avec nous avant de retourner conseiller les autres. Et moi, je vous conseille de vous reposer, de nous revenir en pleine forme. Bonne journée, à la prochaine fois. Au revoir.